Bonjour à tous. Ce sont des ressources dormantes, on va les partager, d'où ce nom un peu abusif, on pourra en parler d'économie du partage, on va les partager, et ce faisant, ça va éviter de multiplier les achats, etc. Et donc il y a tout un discours, une narration autour de l'économie collaborative. Si vous lisez par exemple Rachel Botsman, qui était la grande prêtresse qui a écrit le livre « What's mine is yours », elle a vraiment, c'est un fil rouge dans son discours pour promouvoir l'économie collaborative. Et puis, dans un même temps, on a vu apparaître aussi toute une série d'applications mobiles, de dispositifs de type atteinte des objets, des communautés, qui eux aussi ont ouvert la voie à des individus à changer leur pratique, leur comportement pour devenir plus vert, plus écolo. Je ne vais pas tous vous les présenter, hein, j'en ai mis ici quelques-uns à l'écran, donc peut-être vous connaissez 90 jours, c'est une application que vous téléchargez, tous les jours elle vous envoie un conseil pour remplacer vos produits ménagers par du vinaigre, consommer les fruits de saison, faire pipi sous la douche, voilà, que sais-je encore. C'est assez rigolo. On peut parler de, par exemple, Juncker, qui est à gauche, qui est une application italienne, qui aide les individus à trier leurs déchets et à les orienter vers la bonne poubelle. Voilà. Donc, plein de services comme ça qu'on a vu fleurir. Et puis, troisièmement, on a vu aussi apparaître. Et là, ce ne sont pas des start-up, ce sont plutôt des groupes auto-organisés qui sont saisis des réseaux sociaux
pour partager des expériences et s'encourager mutuellement à devenir plus écologique. Je pense au groupe Écolo Bio Zéro Déchet, mais on a aussi Consommer Local, il y a un autre Facebook et sur Twitter aussi des groupes plus écologiques les uns que les autres. Voilà, je reviendrai sur certains de ces services tout à l'heure, mais pour vous donner un peu le... Et donc, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces initiatives? Essayons de comprendre, première question, pourquoi, ça a été notre première question de recherche, pourquoi vouloir agir sur les comportements des individus? D'abord, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de consensus apparent, en tout cas, sur le fait qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à mener à bien la transition écologique si tout le monde ne mettait pas la main à la pâte. Et ce consensus, on le retrouve aussi bien, c'est l'analyse de discours, mais on le retrouve aussi bien dans le discours des acteurs publics. Je vous ai mis à gauche, il y a un exemple d'affiche où le pouvoir public incite à refuser les sacs plastiques et à prendre son cabas. Mais on retrouve aussi ce discours chez les militants, dans les mouvements sociaux, écolos. Ici, c'est une photo extraite d'une manifestation pour le climat. On voit sauver la planète passe par son assiette. Donc, il y a aussi l'idée du geste individuel. Vous connaissez certainement l'association Les Colibris. Le symbole des colibris, c'est celui-là. C'est le petit oiseau qui va mettre la goutte d'eau sur l'incendie. À moins l'idée que chacun peut faire sa part dans la transition écologique. Et aujourd'hui, on trouve aussi ce discours dans les entreprises, dans les organisations publiques et privées. J'imagine que c'est un endroit qui est dans de grandes organisations, vous avez tous vu les participants à donc, apparemment, gros consensus sur le fait que chacun doit prendre sa part. Alors, c'est un consensus qui ne va pas de soi. C'est relativement récent. Il faut remonter à la pensée d'un certain de ces figures-là, Hans Jonas, Michel Serres ou James Lovelock, repris par Bruno Latour. Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que cette idée d'une responsabilité individuelle commence à émerger dans le discours, dans la pensée occidentale, et c'est seulement tardivement, à la fin du XXe siècle, que les États vont mettre en place un certain nombre de politiques actives à travers des organismes de type ADEME pour la France ou son équivalent britannique 10 ans plus tard, des organismes qui vont avoir entre autres ce rôle d'inciter les individus à changer leur comportement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette idée que la transition écologique passera par le geste à chacun d'entre nous, aujourd'hui, elle est aussi rentrée dans le consensus social. Ça, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME, qui est toute récente, elle date d'octobre 2019, où on voit dans la colonne du milieu que lorsque les Français sont interrogés sur leur pose la question « Quels sont les acteurs les plus efficaces, selon vous, pour lutter contre le changement climatique ?» alors qu'il n'est qu'une question environnementale, mais qu'on a une majeure, bien sûr. Eh bien, là, ils sont 52% à répondre chacun d'entre nous avant les États, et ils placent non seulement ces 52% que c'est chacun d'entre nous, mais ils le placent au premier rang des acteurs supposés prendre en charge cette transition écologique. Pour autant, cet apparent consensus ne doit pas masquer le fait qu'il y a une controverse derrière, et on entend régulièrement les voix s'élever pour dire « mais c'est pas parce que chacun d'entre nous doit faire sa part que cela doit nous faire oublier qu'il y a des actions à faire autour du côté gouvernemental, du côté des pouvoirs publics, que du côté des entreprises, et ce changement de comportement ne doit pas être un prétexte à une forme de déresponsabilisation des acteurs collectifs que sont les acteurs du marché ou les acteurs publics. » Alors, ce constat étant fait, deuxième question, on s'est dit, mais pourquoi, finalement, qu'est-ce qui fait que les individus vont ou ne vont pas adopter des comportements durables? Et là, ceux d'entre vous qui êtes chercheurs, vous connaissez la démarche. Première chose, on a fait une petite revue de littérature pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les individus vont changer de comportement. Et à grosse maille, je vais très vite bien sûr, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais globalement aujourd'hui, on voit deux courants de pensée qui réfléchissent et qui proposent des interprétations des changements de comportement de la part des individus. Un courant qui nous vient d'économie et un courant qui nous vient de la sociologie, je vais vous présenter maintenant brièvement. Pourquoi je vous les présente? Parce que ce sont des grilles d'analyse qui nous aident après à penser des actions qu'on va pouvoir mettre en place. Du côté économique,
Petit détour par l'économie classique, vous savez tous que dans l'économie traditionnelle, l'individu est pensé comme un homo economicus doué de rationalité, intelligent, qui va passer son temps à optimiser l'utilité de ses actions individuelles en fonction des informations qu'on lui envoie, le prix étant une des informations, mais pas seulement celle-ci. Mais ça, c'est la vision théorique de l'économie classique, et avec son corollaire, que le fait qu'il y a des externalités négatives à ces actions optimisées à une échelle individuelle, externalités négatives qui peuvent avoir un coût social énorme, un coût social qui peut être supérieur au coût à la somme des intérêts individuels. L'exemple type, si on prend les mobilités, individuellement j'ai intérêt à prendre ma voiture parce que c'est confortable, ça va plus vite, c'est pas trop cher, plutôt des transports publics, mais on sait bien que le résultat de cette somme d'intérêts individuels, ce sont des embouteillages à ne plus finir et une pollution massive dans toutes les grandes villes occidentales. Et donc face à ça, l'économie classique, elle dit quoi ? Elle dit trois outils grosso modo, soit on incite financièrement les individus à changer leur comportement, on subventionne un vélo électrique, je reste dans l'exemple de la mobilité, on va subventionner un vélo électrique, soit on fournit plus d'informations, donc citadins qui la permettent d'éviter de partir aux horaires d'embouteillage, soit on régule, on installe des piétons, ou on fait du trafic alterné en période de pic de pollution, vous connaissez tout ça. Ça, c'est l'économie classique. Et puis, on voit que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne marche que de façon très limitée, hein, on y est tous confrontés. Face à cela, il y a un courant économique qui s'appelle l'économie comportementale, qui dit que ça, ça ne marche pas parce que, en réalité, les individus sont confrontés à des biais cognitifs qui les empêchent de se comporter en être rationnel. Donc, ces biais cognitifs, attends de vous les détailler, ils sont très nombreux, hein, je vous en ai cité quelques-uns ici, aversion à la dépossession, ancrage mental, etc. Par exemple, le fait que quand on a ancré dans son esprit que prendre la voiture, c'était mieux que de prendre le transport public, même si le transport public, une nouvelle ligne de train qui se met en place plus rapide, propre et pas chère, on est tellement convaincu que la voiture c'est mieux que voilà, on a un ancrage mental qui nous évite, qui nous empêche de se comporter de façon rationnelle. Et donc cette économie comportementale qui s'inspire beaucoup de la psychologie, hein, qui est latine de psychologie, elle a proposé comme réponse pour corriger ces biais cognitifs ce qu'on appelle en anglais des nudges, qu'on peut traduire par petit coup de coude, ça prend des coups de pouce, coup de coude. Mais l'idée, c'est d'avoir des petites incitations qui vont progressivement amener l'individu à redevenir plus rationnel. Alors, vous en connaissez certains de ces nudges. Soit c'est de l'information, vous appelez l'information saillante, un surcroît d'information avec un design qui va simplifier la compréhension et l'incorporation, si je puis dire, de l'information, comme les écolabels, les Nutri-Score aujourd'hui, qui vous permettent de savoir immédiatement les qualités nutritives de ce que vous achetez au supermarché, etc. Ça peut être de la référence sociale, jouer sur le collectif. Par exemple, le Texas, il y avait un problème de chauffeurs qui jetaient tous leurs déchets par la fenêtre des voitures, de leur voiture dans les autoroutes. Et pour régler ce problème, ils ont lancé une campagne d'incitation, ils en ont fait une espèce de logo donc Mesquite Texas est devenu un slogan, une identité auquel les Texans se sont assimilés, et ça, progressivement ils ont dû améliorer leur problématique de pollution dans les voitures. Et puis ça peut être de l'option par défaut, vous connaissez tous maintenant ces photocopieuses qui par défaut impriment en recto verso pour vous inciter à ne pas gâcher du papier. Alors, ces nudges, ils ont eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sont, vous l'aurez compris, ils ne demandent pas de nouvel impôt, ils sont peu coûteux, ils ne sont pas conflictuels, puisque les politiques qui ont mis en place des nudges, et ça a été au tournant des années 2000-2010, ça a été très mis en avant par les gouvernements américains et anglais notamment, un peu moins en France. Ça leur évite de s'approprier, voilà, donc c'est très simple à mettre en place, et en même temps ce n'est pas exempt de critiques. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire que finalement c'est une sorte de paternalisme libertarien, on laisse de la liberté à l'individu, mais de façon plus ou moins implicite, sans qu'il s'en rende compte, on guide son comportement, on le pousse dans une direction alors qu'on n'en est pas nécessairement conscient, et puis surtout cela a une efficacité finalement, somme toute, assez limité face à l'ampleur des problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés.
Alors face à cela, il y a un deuxième courant qui est vu de la sociologie qui dit, bah, en fait, pourquoi ça marche si mal, cette approche économique, où ça ne marche que marginalement à la marge? Bah, parce que, en fait, la plupart de nos comportements ne sont pas des comportements réflexifs, conscients, réfléchis. Ils ne reposent pas sur des intentions, des décisions mûrement réfléchies, mais ils sont enserrés dans notre environnement, notamment dans notre environnement social. Et plutôt que de réfléchir au comportement d'un individu, il faut réfléchir à une pratique sociale dans son ensemble. Là, je vous ai mis quelques ouvrages des acteurs les plus connus qui ont écrit sur cette approche-là, Elisabeth Chung ou Alain Noir. En France, c'est Sophie Dubuisson-Keller qui travaille beaucoup sur ça, qui est professeure à Sciences Po. Et qu'elle nous dit cette théorie de sociologie des pratiques? Elle dit, bah, si on veut comprendre une pratique, et si on veut pouvoir la changer, il faut attraper simultanément trois dimensions. Une dimension qui sont les représentations. Ce que, à un moment donné, une société, un collectif, un groupe d'habitants ou autre, de consommateurs, considère comme étant la bonne manière de faire, comme étant la représentation collective de ce qui est bien, les normes sociales. Il nous faut attraper aussi les routines, nos habitudes, nos manières de faire, qui peuvent être incorporées, qui peuvent être rentrées dans notre quotidien, y compris dans notre quotidien physique. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et il nous faut penser en même temps les infrastructures, les dispositifs, les objets, les contraintes, les systèmes techniques. Je vous donne un exemple qui est celui de la douche. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, une douche quotidienne est devenue la norme pratiquée par la plupart des gens. Pourquoi? Eh bien parce que, à partir des années 50, il y a eu tout un discours des pouvoirs publics pour inciter à plus d'hygiène, et notamment la douche a été considérée comme un des éléments de cette hygiène, de cette bonne hygiène personnelle. Dans un même temps, nous nous sommes déshabitués de nos odeurs corporelles, c'est-à-dire de plus prendre sa douche tous les jours, nous est devenu à nous-mêmes difficile. Et en même temps, il y avait une offre de Tahiti Douche, de déodorant à plus que faire, qui nous a aussi déshabitués de nos odeurs corporelles et qui a remplacé ça par toute une série de parfums artificiels. Et depuis les années 30, les infrastructures que sont les compteurs d'eau ont été enterrées au pied des immeubles, ont été enterrées dans le bas des pavillons, de telle manière que nous n'avions pas cette information qui nous aurait permis de prendre conscience de l'implication de la douche en termes de consommation. Donc voilà un exemple typique de cet enfermement de la pratique sociale, en l'occurrence la douche, qui, vous savez, est un des problèmes en termes de consommation. Alors, une fois qu'on a un peu ces grilles de lecture, ces deux grilles de lecture en tête, comment est-ce que les services numériques dont je vous ai parlé en introduction peuvent changer les comportements? Est-ce qu'ils réussissent à les changer? Donc nous nous sommes penchés dans les travaux successivement sur ces trois familles de services que je vous ai présentés, à commencer par l'économie collaborative. Donc l'économie collaborative, comment est-ce qu'elle entend agir par rapport à cette grille dont je parlais à l'instant? Elle a fait le choix d'agir par l'infrastructure, le partage de la ressource matérielle dormante, hein, la voiture, la chambre d'amis, etc. Et par le recyclage, hein, la circulation, notamment le Bon Coin, Vinted, etc. Je ne sais pas si vous connaissez Vinted, un site de revente d'habits. L'idée, c'est d'agir sur cette ressource, et le levier, c'est un levier purement économique. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir partager les coûts d'essence si j'en mets quelqu'un dans ma Blablacar, ou c'est le fait de louer ma voiture le week-end qui va rapporter un petit revenu. Donc on est vraiment sur une vision très classique du levier économique qui est censé générer, via la plateforme numérique, un effet positif en termes environnementaux. Alors ce que nous on a pu observer dans notre recherche, c'est que, en réalité, l'économie collaborative produisait tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a interviewé un grand nombre d'utilisateurs de cette plateforme et on avait les deux discours, je dirais, extrêmes. Certains, si je prends l'exemple de Vinted, certains qui disent, bah oui, moi comme ça, j'achète que des trucs d'occasion, ça évite de racheter du neuf, je participe d'une économie plus frugale, voilà, la plateforme est là. Pour moi, grâce à la plateforme, je peux être dans une forme de frugalité. Et puis à l'opposé, on a eu des femmes plutôt qui utilisent Vinted, des personnes interviewées qui disent, oh bah moi, j'achète en ligne, sur tous les sites de e-commerce, je mets les fringues une ou deux fois et je la vends sur Vinted. Hein. Voilà. Donc là, on est exactement à l'opposé, on est sur l'hyperconsommation caricaturale.
La même chose avec DriveView, qui aujourd'hui s'appelle GetAround, hein, un système de location de voitures pour les particuliers. Les individus qui nous ont dit, ben moi, ça m'a évité d'acheter une voiture parce que quand j'en ai besoin, de temps à autre, je vais aller chez mon voisin, son DriveView. Ou d'autres qui ont dit, ben moi, j'ai pu m'acheter une voiture grâce à DriveView parce que comme je la loue deux week-ends par mois, ça couvre mes frais et je n'aurais pas pu m'acheter autrement. Vous voyez, on est vraiment dans une ambiguïté. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez le discours de ces acteurs, qu'il y a 10 ans, on n'arrêtait pas de claironner qu'ils étaient des acteurs de l'écologie, de la transition écologique. Aujourd'hui, ce discours a été gommé. Peut-être sauf le bon point, je crois qu'ils continuent à avoir un discours autour de ça, mais la plupart ont arrêté de parler d'écologie, parce qu'ils se sont rendus compte que leur discours était un peu hâtif. Ensuite, on s'est penché sur ce que j'ai appelé les dispositifs et applications numériques encapacitantes. Pourquoi encapacitantes en traduction d'empowerment, d'empowering? Parce qu'elles sont supposées donner à l'individu un moyen d'agir dans son quotidien pour changer ses pratiques. Enfin, on a interviewé la plupart des créateurs de ces startups, enfin un grand nombre d'entre elles en tout cas. Et ce qui était intéressant dans leur discours, c'est que elles mettaient vraiment à distance le discours militant. Alors nous, non, on est des entreprises, on est des startups, on n'est pas là pour faire de grands discours comme les associations. Les associations, elles ont un discours catastrophiste, on va dans le mur, etc., qui est un discours contre-productif. On voit bien que ça ne marche pas. Donc nous, c'est le contraire. On a une attitude super pragmatique. On va aider grâce au numérique, on va aider les individus à faire le petit geste du quotidien qui va progressivement apporter la joie à l'édifice. Et pour cela, on va essayer de rendre l'effort individuel le plus insensible possible. Il ne faut pas que ça coûte à l'individu de changer sa pratique. On va au contraire, on va minimiser les coûts et on va essayer de mettre en valeur les avantages individuels. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains d'entre eux, pas tous, mais vont aussi penser la dimension sociale dont je parlais tout à l'heure avec la sociologie des pratiques. Ils vont penser la dimension sociale en essayant de rendre visibles ces micro-gestes par agrégation. C'est-à-dire, vous avez votre appli, vous avez refusé un sac plastique en magasin, vous pouvez être fier de vous, de rentrer dans votre application, et à la fin de la journée, on a le nombre de sacs plastiques qui ont été refusés par l'ensemble des utilisateurs de l'application. Et ça, c'est une manière de mettre en visibilité le fruit de ces efforts individuels agrégés et qui deviennent une forme d'effort collectif par cette agrégation. Donc là, le numérique joue un rôle de mise en visibilité. Pour autant, la plupart de ces plateformes, ce qui les a caractérisées aussi, c'est des modèles économiques assez fragiles, hein, ils ont eu beaucoup de mal. Certains ont disparu depuis qu'on les a enquêtés d'ailleurs. Souvent, ils reposent sur beaucoup de bénévolat. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir en termes de. Même si certaines applications, comme 90 jours, sont à plusieurs dizaines de milliers de téléchargements, pour autant, on n'est pas du tout dans les modèles de type Le Bon Coin ou Blablacar, qui eux ont des milliers d'utilisateurs. Et surtout, il reste globalement. Alors, après, on a zoomé sur une des initiatives qui est Clink, qu'on trouvait très intéressante. Clink, elle est assez high-tech hein, par rapport à d'autres. Pourquoi la start-up qui est derrière Clink, qui s'appelle Teradona, qui est basée près d'Aix-en-Provence, a travaillé avec un laboratoire de Grenoble, un laboratoire qui passe sur les matériaux, pour construire un capteur qui permet de reconnaître le matériau vert, le verre. Et donc, ils ont déployé avec les mairies, les partenaires de leur initiative, ils ont installé ces capteurs, que vous voyez ici, là, en la photo du milieu, ils ont installé ces capteurs à l'entrée des poubelles de recyclage du verre qui existent déjà dans les collectivités partenaires. Et le principe est assez simple, vous identifiez en arrivant devant la poubelle, soit avec votre téléphone mobile, soit avec votre téléphone contact, vous êtes identifié, chaque fois que vous mettez une bouteille, ça vous donne un point, vous accumulez les points, et les points, vous pouvez les valoriser chez les commerçants du quartier, de la région, soit sous forme de bons d'achat, soit sous forme de réduction. Donc on trouvait ça intéressant, parce que là, il y a quand même, techniquement, il y a une certaine ambition, hein, c'est pas juste une petite application mobile, on est sur une IoT, avec de gros investissements, et on a essayé de comprendre comment ça marchait, est-ce que ça participait vraiment à cette transformation des pratiques en termes de recyclage du verre.
Alors là, on a été très surpris. On a été très surpris parce que, d'abord, ça a été confirmé par la start-up, hein, qui a fait les mêmes constats que nous. D'abord, les personnes qu'on a interviewées, en fait, la plupart disaient, bah, moi, je recyclais déjà mon verre avant. Je me dis, bah, a priori, c'est le copie, ça ne sert à rien, si c'est pour convertir des convertis. Et en fait, bah non, si, ça sert. Pourquoi? Parce que ces individus, en fait, se sont mis d'abord à recycler beaucoup plus. Ils se sont mis à collecter le verre chez leurs voisins, le papy ou la mamie qui ne pouvait pas compter son verre, chez leurs enfants débordés, chez leurs collègues de bureau, dans le café du coin, etc. On a même vu un monsieur qui avait son coffre de voiture équipé dans lequel il faisait la tournée des calanques et ramassait toutes les bouteilles de verre abandonnées par le fêtard le samedi soir. Donc, une intensification du geste et un prosélytisme. On va voir les voisins, la famille, on leur dit, mais pourquoi tu recycles pas, etc. Et de fait, Click a vu que les courbes, parce qu'ils nous ont montré toutes les données, le recyclage de verre, là où Click a été installé, a augmenté. Mais pas pour les raisons prévues. Et puis, deuxième surprise, on s'est dit, bah, dans la pensée de Peradonna, et ça dans l'interview, ils nous l'expliquent très clairement, ils sont sur une approche économique super classique. On va donner des points, hein, une incitation financière sous forme de points convertibles en euros, en réduction, et donc ça va inciter les gens à convertir. Et en fait, dans les interviews, deuxième surprise, à part les gens qui avaient des revenus très très faibles pour qui cette incitation financière jouait, les autres nous disaient « Ah ben je ne sais pas combien j'ai de points » ou « Oui j'ai des points mais je ne suis jamais servi » et finalement ils s'en servaient relativement peu. Et là on s'est dit « Mais là aussi c'est complètement contre-intuitif ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que Click, donc ce dispositif numérique, c'est en quelque sorte leur tendait un miroir qui leur permettait de se voir comme des bons citoyens, avec un geste civique qu'ils faisaient machinalement précédemment. Mais là, c'est un changement un outil de reconnaissance sociale de leur petit geste civique. Voilà, j'ai fait ce détour par Click, mais c'est intéressant parce que vous voyez que là, on a un dispositif numérique qui marche. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes qui l'adoptent, mais qui ne marche pas pour les raisons pour lesquelles on pensait qu'il marcherait, mais plutôt pour des raisons qui relèvent de cette grille de lecture que nous fournit la sociologie des pratiques. Et puis, dernière initiative sur laquelle on s'est penché, c'est dans la troisième famille que je vous ai montré au début, c'est un groupe qui s'appelle le groupe Facebook, qui s'appelle l'OBZP, Ecologio Zéro Déchet. C'est un groupe dont on a travaillé en deux vagues. D'abord, on a travaillé en fin 2017, il y a deux ans, en scrapant deux mois d'échange sur ce groupe. Et puis récemment, la fin 2019, on a mené des interviews avec des utilisateurs. Et déjà, on voit que ce groupe a explosé, il est passé de 45 000 à 76 000 membres en deux ans, il cesse de croître. Et quelle est la fonction de ce groupe? En fait, les gens sur ce groupe Facebook échangent des informations, des conseils, justement, pour s'aider dans leur transition individuelle écologique. Alors, c'est un groupe qui apparemment est très bienveillant, en permanence, ah, c'est bien, tu as commencé à acheter bio au lieu d'acheter en supermarché, bravo, voilà, donc à côté, on s'encourage mutuellement. Et alors, quand je dis bienveillant, en fait, dans un premier temps, quand on regardait les posts, nous, on a eu l'impression que tout le monde était plutôt très gentil sur ce groupe. Après, en interrogeant les modératrices, on s'est aperçu que c'était très modéré et que chaque fois que le ton monte, parce qu'il y a des sujets très tendu dans le groupe, par exemple l'allaitement, végétarisme contre l'organisme, etc. Il y a des sujets là. À ce moment-là, il y a une modération qui est faite, mais qui est assez invisible et qui fait redescendre en permanence, puisque l'idée, c'est de s'accompagner mutuellement dans cette transition écologique. Et quand on dit s'accompagner, c'est de l'échange pratique d'informations, du conseil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de comprendre de quoi ça parlait. Et donc, grâce à ce scrapping dont je vous parlais tout à l'heure, ces deux mois de conversation, on a utilisé un outil qui s'appelle Euramutech, de Text Mining, pour plonger dans les conversations. Et on a vu, voilà le résumé hein, de ces conversations. Il y a des thèmes très consensuels, tout ce qui est autour de l'entretien, de l'hygiène, comment je fabrique ma lessive, comment je prends du shampoing sec, j'utilise du shampoing sec, etc. Tout ce qui est recyclage, beaucoup de do-it-yourself, je fabrique mon sapin à Noël, je n'utilise plus de papier pour emballer les cadeaux, etc., etc., l'alimentation, voilà. Il y a des sujets où il y a plus d'incertitudes, et énergie, santé, contraception.
beaucoup de discussions autour du sujet de la contraception. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a appelé réflexivité, c'est-à-dire des discours où typiquement les gens vont s'aider à prendre conscience du fait que leur pratique n'est pas verte et les aider dans cette transformation. Et pour reprendre, je vous parlais de la douche tout à l'heure, il y a par exemple des tas de conversations autour « je fabrique mon savon avec de l'huile d'olive, mais ma famille râle parce que ça sent l'huile d'olive ». Et donc, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a de l'encouragement mutuel pour dire, bah oui, c'est normal, ils sont habitués à sentir les odeurs de l'industrie. Il faut du temps, vas-y, prends ton temps et tu vas progressivement arriver à convertir ta famille à ces nouvelles pratiques. Donc, on est vraiment dans le désancrage par rapport aux habitudes, y compris incorporées. J'arrive bientôt au bout, hein, ce dont on ne parle pas dans le BZD, c'est intéressant aussi de voir en creux ce qui manque dans ces conversations. Deux choses nous ont marquées. Une première, c'est que il n'y a quasiment pas de discussion, on va dire plus politique au sens très large, hein, pas politicienne, mais au sens on ne parle pas des marches pour le climat, on ne parle pas des ONG, on parle très peu des. On va faire des constats très globaux hein, sur la pollution planétaire, l'Amazonie, etc., en partageant des documentaires, des vidéos, etc. Mais on parle peu d'action collective et ce que nous montrent les entretiens, ça n'apparaît pas dans le texte Maïn, mais dans les entretiens, c'est que là, j'ai réalisé 11 entretiens, sur 11 entretiens, j'en ai 10 qui me disent les politiques, je n'en attends rien, les politiques, enfin, un rejet global de l'action publique. Et c'est quelque chose qui est très très marquant. Deuxième sujet qui est manquant, et là ça va directement vous intéresser, vous êtes enchaîné avec ce dont vous parlerez dans la journée, c'est qu'ils ne parlent pratiquement pas de leur pratique numérique. Alors je dis, ils ne parlaient, parce que c'était il y a 2 ans, quand on a fait ce texte Manning, sur la diapo précédente, il n'y avait quasiment rien sur les outils numériques. Une petite conversation sur le Fairphone, mais qui tournait en 2-3, qui très vite s'achevait. Une petite conversation sur le choix de son téléphone, voilà, les choses. Mais c'était vraiment quasiment absent de la conversation. Et on a vite compris pourquoi, parce qu'en fait, chaque fois que quelqu'un démarrait une conversation en disant « Ah, le numérique, ça pollue », immédiatement, une autre personne du groupe intervenait en disant « Ah bah oui, et là, t'es en train de faire quoi hein? T'es sur Facebook, t'es sur ton téléphone pour me répondre. Alors arrête de critiquer le numérique. » Et le débat était clos. Et ce qui s'explique très bien, c'est-à-dire que les individus sont dans des espèces d'injonctions contradictoires. D'un côté, ils ont envie de diminuer leur consommation numérique parce qu'ils ont pleine conscience de l'impact que ça a. Mais en même temps, on est dans un monde où l'essentiel de nos vies courantes, nos sociabilités, nos achats, etc., se passent par le numérique. Donc voilà, c'est comme de dire je vais arrêter d'aller au café pour rencontrer des gens dans ma période pré-numérique. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez. Et donc, le seul sujet dans la période qu'on a observé qui a fait beaucoup de conversations, c'est le compteur liquide. Ça a été l'explosion de conversations. Qui était l'exception aux 2 points précédents, parce que à la fois c'était un objet numérique, et quel objet numérique, pas n'importe lequel, avec des conversations aussi bien sur les ondes que sur les datas, etc. Et en même temps, un peu d'action collective, parce que les membres du groupe se donnaient des conseils sur comment monter ta pétition, comment te défendre juridiquement, comment interpeller ton maire, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que 2 ans plus tard, nous, ce qu'on voit, et là, c'est, pour le coup, ce n'est pas très scientifique, parce que c'est à force d'observer le groupe, et on n'a pas refait un scrapping général de l'ensemble du groupe, mais on voit de plus en plus monter les conversations autour du numérique en 2 ans, dans le groupe, notamment à la fois pour dénoncer, hein, voilà, si Internet était un pays, ça consommerait tant, vous connaissez tout ça, mais aussi pour des personnes comme celle qui est au milieu, qui dit, ben voilà, moi je voudrais me désintoxiquer un peu numériquement, comment je fais, quels outils choisir, voilà, on sent les conversations monter. Mais, et je finirai là-dessus, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on a peu ou pas d'enquêtes récurrentes sur l'évolution des pratiques numériques. Est-ce que les gens se mettent à éteindre leur box? Est-ce qu'ils se désabonnent du newsletter? Est-ce qu'ils nettoient leur mail plus systématiquement? Est-ce qu'ils évitent de stocker dans le cloud? Est-ce qu'ils écoutent de la musique en ligne au lieu d'écouter sur YouTube pour éviter de la surconsommation de la vidéo?
Voilà, toutes ces pratiques-là. Alors là, je vous ai mis une des rares sources dont on dispose, c'est que la RSE d'Orange a demandé à Devers un petit sondage sur ces questions-là qu'on a essayé d'exploiter. Là, je vous donne un extrait de l'exploitation que nous en avons faite avec l'équipe. Mais c'est du one shot et ça ne nous permet pas de savoir s'il y a vraiment un changement de pratique en matière d'usage numérique. Et donc, je finirai là-dessus. Nous, notre prochaine étape, ça va être le projet pour 2020-2021, ça va être d'essayer de construire un observatoire des pratiques numériques à impact environnemental pour essayer de comprendre s'il y a un changement de pratique ou pas. Est-ce qu'effectivement, les gens se mettent à faire attention à l'accumulation de mails ou pas? Est-ce que, voilà, est-ce qu'ils changent leur pratique? Et pour essayer de comprendre quels sont les facteurs de changement, est-ce que c'est là aussi, est-ce qu'il y a des leviers plutôt économiques ou des leviers plutôt sociaux, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent changer leur pratique et éventuellement comprendre leur motivation. Et puis, bien sûr, l'idée aussi, c'est qu'à partir de cet observatoire, ça puisse permettre aux services de demain de se penser en accompagnement de cette démarche potentielle de sobriété de la part des individus. Et nous sommes au tout début d'un processus. Et je m'arrête. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on va avoir le temps de prendre un certain nombre de questions. Je passe la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. C'était vraiment très intéressant. Moi, je partage avec vous l'idée qu'il faut agir sur les comportements. Et en fait, vous avez parlé du rôle direct de la technologie, positif ou négatif, des comportements. Mais il y a tout un aspect que vous avez complètement oublié, c'est l'aspect justement politique. C'est-à-dire l'aspect de la régulation au niveau des États. Par exemple, quand on voit votre dernier tableau sur le type de comportement que vous envisagez, on peut se poser la question, est-ce que ça, c'est susceptible de changer le problème du numérique? C'est-à-dire le problème du numérique, c'est le fait que le numérique consomme 9% de la consommation d'électricité, qui est une croissance de 10% par an. Moi, je crois qu'il n'y a pas du tout la réponse à ce problème-là dans ces comportements. Que le gros du problème, qui est un problème politique au sens plus large, et qu'il faut l'aborder au niveau de la régulation, au niveau des États. Oui, alors, je ne l'oublie pas du tout. Hein. C'est-à-dire que je vous ai dit en introduction qu'il y avait un consensus aujourd'hui pour dire qu'il fallait changer les comportements individuels, et pour autant, c'est une controverse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, ça peut être l'arbre qui cache la forêt, la limite, on ne peut rien faire. Donc, je n'assume pas. Je ne reprends pas à mon compte le fait que la transition écologique va passer d'abord par un changement des comportements. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a une espèce de consensus autour de cette conviction qui peut discuter et que nous, on a pris cette hypothèse au sérieux en disant, bon, ok, puisqu'il y a consensus, allons voir comment on peut changer ses comportements, est-ce que le numérique joue un rôle, de quelle manière, est-ce que c'est des plateformes d'économie collaborative, est-ce que c'est des apps, est-ce que c'est... Voilà, on a pris le consensus, on a défié le consensus en quelque sorte, en disant, bah, si on prend au sérieux, qu'est-ce que ça donne? Bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Après, évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, ça n'est certainement pas pour faire l'économie d'une action politique, bien au contraire. Et à condition, mais là c'est très personnel, je pense qu'on a besoin de créer des cercles vertueux. Alors, l'intérêt que je vois dans le changement de comportement, c'est que ça peut faire une pression sur l'offre. C'est-à-dire que si les entreprises, notamment du côté du marché, si les entreprises sentent qu'il y a une demande sociale très forte pour que leur téléphone mobile soit des moyens d'obsolescence programmée de leur téléphone mobile, je prends un petit exemple. À ce moment-là, ils peuvent éventuellement commencer à faire l'effort. Pour moi, c'est la vertu principale, elle passe par une forme de rétroaction sur l'offre, plus que par l'impact du changement de comportement de la personne. Et ça, c'est absolument pas scientifique, c'est vraiment une conviction personnelle. Je vais prendre un exemple qui est Yuka. Est-ce que tout le monde connaît l'application Yuka? Ouais. Hein? Non? Alors, le Yuka, c'est une petite application qui nous permet de scanner dans les supermarchés, le code barre des aliments et de voir la composition et la qualité alimentaire des aliments qui s'appuient sur le fameux Nutri-Score dont je parlais tout à l'heure. Yuka est adopté aujourd'hui par, je crois, 22-23% de la population française. Vous voyez, ce n'est pas la petite application confidentielle, hein, c'est vraiment un usage massif.
Ce qui est intéressant, c'est, alors bien sûr, la personne, ça a un effet pour la personne du résultat, parce qu'elle va pouvoir orienter ses achats et mieux consommer. Mais ça a aussi un effet sur l'industrie, c'est-à-dire que c'est Carrefour, je ne sais plus quel hypermarché, qui a changé la composition de ces marques maison, de plusieurs centaines de ces marques maison, pour pouvoir passer sous les fourches codines de l'application Lucas. Il a amélioré la qualité nutritionnelle de ses produits, parce qu'il savait que ses clients étaient sensibles à cette qualité nutritionnelle. Donc, vous voyez, là, on a une vertu, mais c'était pas dans mon exposé, mais une vertu par rétroaction sur l'offre. Donc, pour moi, il faut marcher sur les trois pieds, si je puis dire, régulation, acteur public, marché et comportement individuel, le tout faisant une maillotique positive. Oui, sur le même sujet. Oui, juste sur le même sujet, effectivement, j'étais étonné aussi que vous mettiez en avant la responsabilité, ce pseudo-consensus sur la responsabilité individuelle. Par contre, c'est très bien que ça masque souvent un refus de modifier au niveau de l'offre ou de la production. Et je crois que c'est le cas particulièrement dans les exemples que vous avez cités sur le recyclage. Alors qu'en particulier sur le verre, on pourrait plus utilement parler de réusage. Et sur le dernier exemple que vous avez donné sur l'usage de la vidéo pour écouter des morceaux de musique, on pourrait aussi parler de l'offuscation des documents téléchargés qui fait qu'c'est plus facile, et ça c'est les opérateurs de réseau qui ont intérêt, c'est plus facile de recharger plutôt que de retrouver localement un document. Oui. Donc là, la responsabilité est bien du côté de l'offre. Encore une fois, là, mon travail de recherche, j'essaie d'être le moins normatif possible. Donc, on a pris une hypothèse sérieuse, on a essayé d'explorer. Mais vos deux remarques convergent. Je suis complètement d'accord avec Gilles qui voulait vous donner ça. Oui, je suis un peu étonné que tu fasses remonter cette idée de cultiver son jardin à Hans Jonas. Alors, il me semble que si on regarde avant Jonas, on peut trouver tout un tas d'exemples dans la pensée occidentale. Enfin, c'est même un thème récurrent dans la pensée occidentale. Je pense trois exemples. Au début du XXe siècle, quand Virginia Woolf se pose la question de comment améliorer le sort des femmes dans la société britannique, elle dit la première chose à faire, c'est d'avoir une chambre à soi. C'est pas de voter une loi, c'est pas de destituer la reine, c'est d'avoir une chambre à soi. Si tu prends avant ça, au XIXe siècle, les Saint-Simoniens, ils disent l'important, c'est pas de changer les ministres, c'est pas de changer le président, c'est de changer l'industrie, c'est de faire des lignes de train, c'est de creuser des canaux, etc. Puis si tu remontes beaucoup plus loin, quand Alexandre va voir Diogène dans son tonneau, Diogène lui dit ôte-toi de mon soleil. Donc cette défiance vis-à-vis du politique et cette idée d'une reprise en main individuelle, elle est constante dans l'histoire de la pensée. Là, je parlais dans le champ environnemental. Pas en général, bien sûr, la pensée sur la responsabilité individuelle, je suis d'accord avec toi. Mais sur la question environnementale, on a quand même une rupture sur cette deuxième moitié du XXe siècle où on est sorti, la narration a basculé. Avec une grande narration contre laquelle des chercheurs comme des historiens des sciences, comme Christophe Bonneuil par exemple, s'insurgent, où ils disent voilà, on nous raconte que. Il y a eu un positivisme généralisé qui a fait que la science a avancé à marche forcée sans se rendre compte des effets collatéraux, si je puis dire, et que tout à coup, il y a eu la crise écologique, la science s'est réveillée et on est rentré dans une seconde modernité réflexive qui tout d'un coup s'est rendu compte qu'il y avait des effets sur la société de cette science et de cette technologie à tout train. Bon, en réalité, ce que montre ce chercheur, Christophe Bonneuil, on pourrait citer aussi Jean-Marc, très simple. Un autre historien des sciences qui avait fait avec lui, il montre que en réalité, il y a eu en permanence sur chaque choix technologique des conflits, des controverses, et qu'il y a eu des perdants qui sont passés un peu aux oubliettes de l'histoire, mais qui à chaque étape avaient déjà à l'époque dit attention, ça peut avoir telle conséquence. Et donc on oublie ces perdants de l'histoire, et c'est une manière de dépolitiser. La question scientifique et technologique, alors qu'elle a toujours été éminemment politique. Donc, et là, ça rejoint un peu vos préoccupations, c'est-à-dire qu'on peut refaire une lecture de toute cette question du rapport technologie, passionnement numérique, technologie en général et environnement, en refaire une lecture politique historique qui est particulièrement féconde.
J'avais une petite question un peu d'ouverture. Je me demandais si dans vos recherches, vous posiez la question du rapport au temps. Et entre autres, dû à la technologie, le fait qu'on a effectivement moins de temps pour réfléchir peut-être à des actions collectives, est-ce que les technologies font qu'on a moins de temps, ou bien est-ce que la surcharge informationnelle joue un rôle là-dedans également? Est-ce que ce genre de préoccupation... Alors, moi, directement, non. Mes travaux ne portent pas là-dessus. Enfin, j'ai une autre équipe, je n'aurais pu mentionner en ouverture. Mais on a eu une postdoc qui a travaillé sur le trafic de déconnexion, notamment. Ça, c'est un sujet qui revient de façon récurrente, qui est une des manières d'attraper la question du temps. Ce n'est pas la seule, hein, bien sûr. Et là, on va démarrer un chantier de recherche qui était un peu distinct du chantier environnement, un chantier de recherche sur les nouveaux référentiels de ce qu'est un bon numérique. Et est-ce que dans les représentations collectives, un bon numérique, est-ce que c'est être capable de se limiter ou pas dans son usage, être capable de se déconnecter ou pas, être capable de dire non à certains types de contenu, voilà. On voudrait enquêter sur les représentations collectives telles qu'elles peuvent se construire en ce moment sur le bon. Le bon numérique, c'est évidemment une manière réductrice. Et la question du temps va faire partie de ces questions que nous allons enquêter. Mais c'est pas notre enquête principale. Et du coup, comme on dit là-dessus, chez Orange, est-ce que la question du temps partiel, avoir plus de temps et gagner moins pour une meilleure action environnementale et dans la politique RH de l'entreprise? Oui. Alors, je ne crois pas. Pourtant, c'est un des gros leviers. Ah non, mais oui, ça va marquer un point, mais je ne crois pas que ce soit dans la politique RH. Par contre, il y a une grosse politique très active sur le télétravail. Voilà, c'est déjà... le télétravail, c'est déjà une manière aussi de changer de rapport au temps, parce que quand on travaille en région parisienne, par exemple, c'est quand même 2 heures de transport par jour, en moyenne, donc c'est aussi du temps qui est regagné pour soi, pour régler, pour s'occuper de ses enfants, de ses enfants. C'est une entrée sur cette question du temps, et là, il y a une politique très claire d'Orange très active, et qui est liée aussi à la dispersion des sites. Bonjour, merci pour la présentation qui était très intéressante. Vous avez parlé de chiffres, par exemple, de l'application où ils récoltaient les sachets de cycle qui avaient été refusés au magasin, etc. Et avec Link, il y a aussi une mesure du nombre de bouteilles de verre qui ont été jetées grâce à Link, entre guillemets. Et je me demandais si ces entreprises, elles collectaient un peu des informations sur l'intérêt vraiment concret, qu'est-ce que ça faisait, en quoi Clean, ça a permis par exemple d'économiser du sable, est-ce que c'est vraiment significatif, et par rapport au coût de production de certainement ce dispositif, il faut pas mal de terres rares pour les installer, etc. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est aussi rentable qu'une personne par exemple équipe sa voiture pour faire le tour de la ville en voiture, non, tout seul dans sa voiture pour aller récupérer des bouteilles de verre et les jeter? Est-ce qu'il y a des mesures dans ce genre Alors déjà, je ne représente pas Pierre Abedin. Non, mais je suis mal placée pour répondre à leur place. Eux ont tout un discours pour convaincre, parce qu'en fait, leur modèle économique, c'est un modèle B2B, c'est-à-dire qu'ils vendent, ils font financer le dispositif par les collectivités territoriales en leur expliquant, en gros, il y a 2 arguments, c'est pas mémoire un bol, c'est de dire, un, grâce à ça, vous allez pouvoir mieux organiser la tournée des camions aux poubelles qui récoltent le verre, c'est-à-dire qu'au lieu de venir ramasser les camions quand ils sont à moitié pleins, les poubelles quand elles sont à moitié pleines, vous avez l'information au fur et à mesure, et donc vous économisez sur l'essence des camions, etc. Donc voilà, il y a cet argument-là. Et puis surtout, évidemment, la massification de la collecte qui va rendre plus rentables les installations qui permettent de fondre le verre, qui sont des installations très, très coûteuses. Hein. Et là, on retouche le grand débat sur la réutilisation, recyclage, réutilisation, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, leur argumentaire repose essentiellement sur ces deux choses-là. De jusqu'à quel point ils intègrent dans leur calcul d'impact
tous les effets que vous décrivez, hein, je ne sais pas, honnêtement, je ne vais pas faire leur place. Et c'est l'éternel problème, hein, je pense qu'on va en reparler aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on veut faire des mesures d'impact écologique du numérique, on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête, et on ne sait pas jusqu'à quel point il faut prendre en compte un certain nombre d'effets rebonds. Donc l'effet rebond, je prends ma voiture pour aller faire la tournée des Calanques. Est-ce que de toute façon il allait se promener, en l'occurrence la personne dont je parlais, de toute façon tous les jours il allait marcher sur le bord des Calanques, donc pour lui ça ne changeait rien, mais peut-être qu'un autre allait prendre sa voiture en plus. Donc là c'est extrêmement difficile de mesurer cet effet rebond qui va varier d'un individu à l'autre. Donc je n'ai pas la réponse là-dessus. Oui, merci pour l'excellent exposé. Je suis un petit peu étonné parce que vous avez souligné la méfiance de l'ensemble des gens que vous avez interrogés à propos des diverses approches par rapport aux actions, à l'action politique de manière générale, ou à l'idée qu'il y a une centralisation. Or, le fait d'utiliser le numérique, et en particulier des serveurs qui rassemblent l'information, augmentent en fait la centralisation et augmentent la capacité de quelques-uns à influencer de manière très forte un collectif, et en plus de manière souvent un petit peu détournée ou un peu visible. J'étais par exemple étonné de votre commentaire sur les modérateurs de votre groupe de discussion qui, par la manière dont ils modèrent, ont quand même une influence déterminante sur le contenu de ce qui se dit et de l'impression de la couleur générale du forum. Donc, est-ce que c'est l'aspect pensé, est-ce qu'il y a une réflexion sur le fait que le numérique accroît le pouvoir, la capacité d'influence de quelques-uns? Alors, bien sûr, on pense toujours au GAFA et à Facebook, mais en fait, à un niveau plus élémentaire, ça joue aussi. Alors ça, c'est le vieux débat hein, sur qui est assez passionnant, qui remonte aux années, fin des années 70, début des années 80, entre les utopies des débuts qu'on n'appelait pas à l'époque du numérique, mais enfin, les utopies du début du numérique, que décrit très bien Fred Turner dans son livre « Source de l'utopie numérique », où il montre bien qu'il y a tout un courant libertarien qui imaginait que Internet, le réseau distribué, etc., allait participer d'un renouvellement démocratique et était construit contre des logiques centralisées qui, à l'époque, étaient les opérateurs télécoms et les États. Donc ça, c'est l'utopie de 70-80. On a vu que cette utopie-là, là, malheureusement, elle a fait un peu long feu, puisque aujourd'hui, on est sur des phénomènes de recentralisation massive, que ce soit en termes d'infrastructures, termes de serveurs, ou que ce soit en termes de pouvoir économique, GAFA, ou Baidu et compagnie, que le chinois. Donc voilà. Pour autant, il y a une tension permanente entre logique distribuée, logique centralisée. La logique distribuée n'a pas dit son dernier mot. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il continue d'y avoir des pensées alternatives qui essayent d'utiliser le numérique sur une logique de décentralisation du pouvoir. Enfin, notamment tout le mouvement du logiciel libre, on pourrait en citer d'autres. Alors, on ne peut pas réfléchir de la même manière à l'échelle macroéconomique, macro-infrastructure, hein, ferme de serveurs, GAFA, et à l'échelle d'un groupe Facebook. Le groupe Facebook, il faut le regarder à la lumière de sociologie des collectifs, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement on est sur une forme de modération, un petit dictateur éclairé qui agirait en douce. En l'occurrence, dans le groupe Facebook que j'ai cité, il y a une totale transparence, c'est-à-dire qu'il y a une charte à l'entrée du groupe qu'on est censé signer, que personne ne signe, mais c'est pas grave, une charte qui dit très clairement ce groupe se doit d'être bienveillant, si vous ne respectez pas la parole de l'autre, etc., vous serez banni. Donc là-dessus, voilà, simplement les gens ce dont on se rend compte dans les entretiens, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte que cette modération est très active. Ils ont l'impression que c'est une espèce de dynamique spontanée du groupe qui fait que les gens
sont sympas les uns avec les autres, sont bienveillants, etc. En réalité, ce que mon interview montre avec l'administratrice, c'est que c'est qu'il y a un gros travail derrière pour maintenir cette couleur, comme vous dites, à l'intérieur du groupe. Mais je ne mettrai pas sur le même plan les grandes questions macroéconomiques du numérique et les questions d'animation d'une communauté. Pour moi, c'est vraiment des problématiques très, très différentes. Ma question était plutôt sur le fait que les personnes qui participent pas les enjeux. Par exemple, dans la modération. Si, ça rend très bien compte. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est à quel point il y a un gros travail des modérateurs. L'intensité de travail des modérateurs, ils n'en ont pas conscience parce qu'il n'y a pas marqué post supprimé ou commentaire supprimé. Ça a juste disparu, donc ils ne le voient pas. Mais par contre, ils ont conscience de l'importance de garder cette bienveillance dans le groupe et ils sont très. Ils sont furieux quand des gens se laissent aller. Et, voilà, j'ai une interviewée qui me dit. Voilà, il y a quelqu'un qui raconte qu'il a été au bio, c'est bon, et qui annonce tout fièrement, ça y est, j'ai changé de supermarché, j'ai arrêté au champ et je suis allé au bio, c'est bon. Et quelqu'un lui répond, mais bio, c'est bon, c'est un supermarché bio, tu dois pas aller là, tu dois aller chez les producteurs locaux, etc. Enfin, on peut toujours laver plus blanc que blanc. Et là, la personne interviewée me dit, mais ça va pas, c'est pas possible, on est là pour s'aider, on est là pour s'encourager, pas pour se juger. Bon, deux questions, une ici. Donc, moi j'avais une question qui est relative. Donc, je veux surtout pas remettre en cause le fait que le numérique favorise des échanges qui sont que je trouve excellents. Donc, c'est pas du tout ça le sens de ma question. Ma question, c'est est-ce qu'une bonne pratique écologique ce ne serait pas justement la réduction du numérique? Mais quand on voit tous les la messagerie, les SMS, les tweets, etc., qui ne véhiculent quasiment aucune information, si ce n'est le fait de dire je suis dans la même communauté que toi, donc on est, etc. Donc, si j'ai bien compris, la moitié de la consommation, enfin je parle de l'informatique en tant qu'économie, la moitié de l'énergie consommée en informatique, c'est la production des PC. D'accord ? L'autre moitié, on la redivise en deux, la moitié c'est les films. D'accord ? Et ça consomme énormément d'énergie. D'accord ? Ça consomme les films, Netflix, le quart de la consommation énergétique due à l'informatique. Donc est-ce que réduire déjà ça, ça ne serait pas un premier pas ? Une pratique écologique, c'est peut-être de réduire l'utilisation de l'informatique, du numérique. Mais en fait, c'était toute la question que je posais avec le tableau que j'ai affiché à la fin. C'est-à-dire, d'un côté, évidemment, on peut imaginer, je pense que vous allez en parler, des manières de développer plus propre, moins énergivore, avec moins de lignes de code, etc. On peut imaginer des infrastructures qui sont structurellement moins consommatrices. On peut imaginer d'utiliser des sources d'énergie alternatives, comme le font Google et compagnie, où maintenant ils déploient leur propre champ d'éoliennes pour pouvoir faire tourner leur ferme de serveurs. Et on peut aussi imaginer qu'il y a des choses qui se passent du côté de la demande. On ne voit pas être monolithique. Donc, du côté de la demande, aujourd'hui, on voit bien que la consommation, vous parlez de la vidéo, c'est ça aujourd'hui la course à l'échalote. Moi, je vois mes collègues chez Orange qui travaillent pour essayer de réduire la consommation énergétique aussi bien des côtés serveurs que des clouds que du côté réseau. Ils y arrivent, mais c'est une course sans fin. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leurs énergies, de leur technologie, sont de moins en moins consommatrices, les usages explosent. Donc en fait, on court derrière les usages vidéo en permanence. Donc on voit bien que le problème, il doit être pris des deux côtés, aussi bien du côté de l'offre, des trois, des quatre côtés de l'offre, des infrastructures et de la demande. Maintenant, comment changer ? Faut-il changer ces usages, ces pratiques numériques ? Comment est parti ? C'est toute la question. C'est pour ça que nous, on voudrait faire cet observatoire pour suivre cette évolution possible. Je pense que le problème, c'est un peu comme l'alcoolisme. Le problème, le but, c'est de ne pas boire, c'est de ne pas trop boire. Oui, oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, enfin, juste pour revenir là-dessus, la civilisation du poisson rouge. Voilà, le Bruno Patino. Vous décrivez très bien comment tous ces services numériques ont été designés pour susciter une forme d'addiction. Et donc on a aussi besoin, je pense, d'une écologie
numérique, elle passe par une manière de repenser le design pour arrêter de susciter l'effet dopamine et pour permettre aux individus d'être effectivement plus réflexifs dans leur choix de consommation numérique. Et pour ne pas les enfermer dans des pratiques addictives. Une dernière question, et après ce sera la pause pour voir un petit peu. C'est peut-être la même dernière question. On a une injonction contradictoire entre la croissance et sur laquelle la société se casse la figure. Le capitalisme est vraiment posé sur il faut qu'il y ait la croissance, sinon ça ne marche juste pas. Sinon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de. Et puis l'écologie où effectivement les bonnes pratiques sont toutes dans la décroissance. Je ne crois pas qu'on peut. Et moi, je suis vraiment tiraillé entre ça. Je n'ai pas vu tellement cette tension dans vos études. Non, je n'ai pas traité de toutes les questions écologiques, je vous excuse. Non, bien sûr qu'il y a cette tension, c'est justement l'argument principal qui est utilisé notamment par les gouvernements successifs pour ne pas faire grand-chose. Au nom de l'emploi, hein, c'est l'éternel argument. Or, on sait très bien que l'emploi, ça se dirige. Ça se dirige vers de nouveaux secteurs d'activité qui sont riches en emploi, justement. Aujourd'hui, on sait qu'une économie plus écologique serait une économie plus servicielle et plus servicielle, plus humain à faire travailler. Donc, pour moi, enfin, je ne suis pas économiste et je ne suis pas responsable politique, etc., mais la piste, elle est, à mon avis, dans la création d'emplois qui sont riches en ressources humaines et qui vont nous amener vers une croissance différente pour sortir de cette injonction contradictoire. Je vous invite à regarder ce que fait Territoire Zéro Chômeur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Territoire Zéro Chômeur, une initiative portée par Emmaüs et qui travaille dans des villages où il y a un très fort taux de chômage et qui construit des coopératives d'emploi pour des gens au chômage longue durée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à créer de l'emploi là, en imaginant des services, là où on ne pensait même pas qu'il y aurait des services. Et la plupart, enfin, nombre de ces emplois sont des emplois à dimension écologique qui vont servir à la qualité de vie, à la solidarité locale, etc. Donc il y a un gisement d'emplois possible. Mais ça veut dire réorienter notre économie et arrêter d'être dans cette espèce de course à une croissance digne du XXe siècle. Voilà, il y a un film qui est sorti, qui a enquêté sur Territoire Zéro Chômeur. Je vous invite à le voir s'il passe dans votre ville. Probablement qu'il passera à la télé à un moment ou à un autre. Il est absolument passionnant. On est loin du numérique, mais justement, ça montre qu'on peut penser de l'emploi autrement. Merci pour cette présentation.